Je suis certain que nous nous sommes déjà tous posé la question de savoir ce que Dieu pense de nous et ce qu'il peut ressentir à notre sujet. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, il y a cette question qui peut revenir. Est-ce que j'ai déçu Dieu? Soyez le bienvenu sur cet épisode et je sais que le titre est très intriguant, mais restez jusqu'à la fin parce que c'est super intéressant de pouvoir comprendre et décortiquer le cœur du Père. En attendant, j'aimerais juste vous rappeler que j'ai une ressource que je mets à disposition gratuitement pour chaque personne qui a besoin. Le titre de cette ressource, de cet e-book, c'est Ce que Dieu dit de vous. Et ma conviction, c'est que lorsqu'une personne est enracinée dans la vérité de la parole de Dieu et dans comment Dieu la voit, elle développe la capacité de marcher droitement dans cette vie et d'accomplir des exploits avec le Seigneur. Alors, n'hésitez pas à aller dans la section des commentaires ou de la description quelque part et télécharger cet e-book, c'est gratuit. Donc prenez vraiment le temps de le parcourir, de le méditer, c'est sous forme de dévotionnel et de grandir dessus. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je serai très très heureux de savoir ce que vous en pensez. Et je précise aussi, si c'est possible, c'est une bonne chose que vous puissiez vous abonner et de partager cette vidéo pour encourager le corps de Christ. Le but, c'est que nous soyons tous bénis. Alors, allons dans l'essentiel de ce que je voulais partager aujourd'hui. Est-ce que Jésus peut penser qu'on l'a déçu? Et vous savez, pour pouvoir répondre à cette question de façon globale, j'aimerais qu'on aille dans un temps contemporain à Jésus, à ce moment où il a marché comme un homme sur la terre. Et prenons deux exemples. Jésus a eu parmi ses disciples deux personnes qui, quelque peu, lui ont donné un peu des cheveux blancs, si je peux utiliser l'expression. Et vous savez, si je vous pose la question, quel est le point commun entre Judas et Pierre Vous allez peut-être me dire, ils étaient tous deux disciples de Jésus. Mais très peu de personnes vont me dire, tous les deux ont pensé avoir déçu Jésus. Tous les deux ont eu cette pensée. Et le seul fait de penser qu'ils ont déçu Jésus a quelque part influencé le cours de leur histoire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont, on va dire, bloqués dans leur vie chrétienne parce qu'ils pensent qu'ils ont déçu Dieu ou qu'ils ont déçu Jésus. Ils pensent que leur péché a fait en sorte qu'ils aient déçu Jésus. Mais voici ma question. Peut-on vraiment décevoir quelqu'un qui sait tout? Ou quelqu'un qui sait tout ce qui va se passer? Donc, c'est une question que je pose là. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais, vous savez quoi? Lorsque le diable arrive à percevoir, ou à persuader, pardon, une personne d'avoir déçu Dieu, il se peut que cette personne sorte de la grâce de Dieu et commence à vivre sous la loi. Qu'est-ce que je me dis par là Il se peut que cette personne essaie de satisfaire Dieu et de rattraper sa place par ses propres efforts. Et peut-être que vous allez me dire, Steve, je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas certain d'avoir des Dieu. Je vais vous dire une chose. Même si vous ne pensez pas avoir des Dieu, il se peut que vous ayez peur de le décevoir. Et ça peut se voir dans votre attitude. Lorsque nous avons peur de l'échec, de quoi avons-nous réellement peur Est-ce que l'échec veut dire qu'on est une mauvaise personne non, souvent derrière la peur de l'échec, il y a la peur de décevoir. Lorsqu'on a peur d'obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit, lorsqu'on a peur d'obéir à la parole de Dieu, lorsqu'on a peur de faire ce que Dieu a mis sur notre cœur, parfois c'est parce qu'on a peur de le décevoir. On a peur de se tromper, on a peur de passer à côté et de se dire, j'étais nul. Et vous savez quoi, la peur de décevoir est plus présente qu'on peut l'imaginer dans le cœur des chrétiens. Mais revenons sur Pierre. Et sur Judas. Vous savez, Pierre a trahi Jésus. Pierre était quelqu'un d'enthousiaste, de volontaire, il voulait vraiment servir Jésus, mais il a fini par trahir Jésus. Et Judas aussi l'a trahi. Les deux, à leur manière, ont trahi Jésus. Et clairement, Jésus en a été affecté. Mais je trouve intéressant le fait que Jésus ne leur a jamais manifesté le fait qu'il était déçu. Jamais. Jésus a même dit à l'avance à Pierre ce qu'il allait faire. Ça n'a pas empêché qu'il le fasse quand même. Beaucoup d'entre nous savons parfois ce que nous devons arrêter de faire ou ce que nous ne devons pas faire, mais on le fait quand même. À ce moment, regardons la réaction de Jésus. Jésus va être trahi par Pierre. Mais lorsque Jésus va arriver, qu'est-ce qu'il va dire à Pierre Il va lui souhaiter la paix. Voilà la réaction de Jésus face à un cœur repentant. Judas, lui, n'a pas supporté la trahison qu'il a causée et il a préféré se donner la mort. Mais Pierre, même s'il ne s'attendait plus à grand-chose et qu'il avait totalement baissé les bras, Jésus allait le chercher quand il est ressuscité. Et Jésus lui a tendu la main et Jésus lui a donné sa paix. Dieu n'est pas surpris par nos erreurs et n'est pas surpris par nos limites. Mais lorsque dans la conception de certaines personnes, nous pensons que notre faiblesse ou notre façon de faire les choses peut décevoir Jésus, alors nous oublions que lorsque Jésus est venu nous chercher il nous connaissait déjà lorsque Dieu nous a appelés il savait qui nous étions est-ce que je peux vraiment surprendre Dieu qui sait tout qui connaît tout Prenons la parole de Dieu j'ai vraiment envie que vous voyez vous même ce qui est écrit dans proverbes 24 verset 16 la bible dit car cette fois le juste tombe et il se relève mais les méchants sont précipités dans le malheur cette fois le juste tombe et il se relève. On n'est pas en train de dire cette fois le pécheur tombe, cette fois le juste tombe. On est en train de parler ici de quelqu'un qui est aimé de Dieu, de quelqu'un qui a été justifié par Dieu, quelqu'un qui a été considéré comme fils de Dieu, fille de Dieu, qui tombe et la Bible dit il se relève. Mais la Bible dit que le méchant est précipité dans le malheur. Alors c'est intéressant de voir une autre traduction pour comprendre ce que ça veut dire précipité. On dit alors que les méchants s'effondrent dans le malheur dans la version semeur, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Qu'est-ce que la Bible appelle un méchant au final? C'est intéressant de se poser la question. On a plusieurs définitions qu'on pourrait trouver. Mais dans ce contexte, c'est étonnant. Le juste, lorsqu'il tombe, il se relève. Mais lorsque le méchant tombe, il s'effondre. Pourquoi? Le méchant ici, c'est celui qui refuse de croire à Dieu. Le méchant ici, c'est celui qui refuse de se regarder comme Dieu le regarde. Alors arrête de dire que tu es méchant. <laughs> Écoute-moi. C'est super important que tu comprennes ceci. Lorsque nous tombons, la chose qui nous permet de nous relever, c'est de nous souvenir que Jésus a payé le prix, que Jésus nous a justifiés, et que le prix qu'il a donné pour nous est tellement important qu'on ne peut pas rester là où nous sommes. Mais lorsque le méchant tombe, qu'est-ce qu'il fait Il regarde à lui-même. Oh, je suis pas assez bien. Oh là là, mais je suis ceci ou je suis cela. C'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit que c'est ça le méchant. En d'autres termes, n'ayons pas un cœur méchant, les amis. Arrêtons de nous flager, de nous culpabiliser là où Dieu lui-même continue de nous tendre la main. Il continue à dire, si tu tombes, je te tends la main. Relève-toi. Ne reste pas où tu es. Relève-toi. Et parfois, on peut se dire, bah, Steve, c'est peut-être un verset que tu as pris hors contexte. On peut se dire, oui, mais c'est peut-être dans un cas spécifique. Je vous amène ailleurs dans la Bible. Allons dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 2, Dieu est en train de parler à l'église d'Éphèse. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'église, Éphèse a été plusieurs fois citée comme l'une des églises les plus exemplaires de la Bible. Et il se vivait des choses extraordinaires. C'est une église qui était remplie de maturité. Mais cette église aussi a connu sa phase de décadence. Et c'est vraiment intéressant de voir ce que Dieu dit à l'église d'Éphèse. Au verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Et Dieu n'est pas en train de dire, Ouh là là, c'est fichu pour toi, tu m'as déçu, je ne veux plus rien savoir de toi. Il dit, On, hum, tu sais pas ça à côté de la plaque. Prends le temps, regarde où tu es tombé, change ta mentalité et continue. Continue ce que tu faisais de bien. Ne t'arrête pas sur cet échec. Ne t'arrête pas là, ici où tu es tombé. Dieu ne leur a pas dit comment ça se fait que tu sois tombé. Je suis déçu. Je ne te connaissais pas comme ça. Non, il leur a dit je suis tombé, mais il serait important que tu saches où tu es tombé, que tu te repentes. Se repentir veut dire changer de mentalité, changer d'avis, de regard, d'opinion, changer de direction et reprends tes premières heures. En d'autres termes, c'est un peu comme quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, il se salit, alors le parent le relève, le parent essuie la poussière de son vêtement et le parent le remet sur ses pieds pour qu'il essaie encore. Donc j'ai vraiment envie d'encourager toutes les personnes qui, d'une certaine manière, se sont disqualifiées ou alors sont toujours dans le remords ou toujours dans l'inquiétude ou même n'osent pas faire ce que Dieu leur demande par peur de le décevoir. J'ai envie de vous dire, vous savez, vous ne pouvez pas décevoir Dieu. Lorsque Dieu allait vous chercher, il savait qui vous étiez, vous étiez. Il vous avait vu, il vous connaissait. Et donc Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Il sait ce qu'il a, qu a déposé en vous. Et la Bible dit que le juste finalement, c'est celui qui croit que Dieu veut le relever. Et le méchant, c'est celui qui se laisse abattre dans le malheur. Alors ne te laisse pas abattre dans le malheur. Ne te laisse pas déstabiliser. Si tu es tombé, relève-toi. Essaye encore et encore jusqu'à ce que tu réussisses. Mais une chose est sûre et certaine. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Jésus va dire à un de ses disciples, à un de ses amis, ⁇ Je suis déçu de toi. Dieu n'est pas déçu de toi. Dieu espère le meilleur pour toi. Mais il n'est pas déçu. Par contre, il sera triste si tu décides de baisser les bras maintenant. En tout cas, si tu veux être encouragé, je te le dis encore. Il y a une ressource gratuite que je mets à disposition là dans la section des commentaires ou dans la description de la vidéo ou de l'audio en fonction du format sous lequel tu écoutes. Et ça te permet d'avoir accès gratuitement à l'e-book que je mets à disposition. Et tu vas pouvoir méditer sur ce que Dieu dit de toi. C'est vraiment le regard de Dieu, le positionnement dans la parole de Dieu qui va te garder enraciné dans la vérité. Donc à partir de maintenant, j'espère que tu ne vas plus regarder ta vie en te disant, j'ai connu tellement d'échecs que j'ai dû décevoir Dieu. Non, Dieu n'est pas déçu de toi, Dieu n'est pas surpris par toi. Par contre, Dieu a des projets de bénédiction, des projets de paix, des projets de bonheur. Il a une grâce qui va t'accompagner tous les jours. Dieu est convaincu qu'il peut faire quelque chose avec toi. Ma question est celle-ci. Est-ce que toi, tu en es convaincu